Bienvenue dans l'autre vidéo sur la plateforme Léonard Choa. Si vous ne connaissez pas qui est, non pas M. Alcinor Léonard, ça c'est rubrique La vie haïtienne dans Mexique sur la plateforme Léonard Choa, Léonard Choa tout côté. Je dis à c'est un immense plaisir de vous présenter une vidéo. Ça. Quand vous venez visiter, il y a l'église qui est dirigée par un pasteur haïtien qui est intervenu sur la plateforme déjà. Non pas le pasteur Frisnel Joseph, lui c'est pasteur et politologue. Je dis à nous venons visiter l'église là pour nous savoir exactement comment service la fait, parce que pas seulement un service pour Mexicains, mais aussi un service pour Haïtiens. Restez connectés, ça c'est Léonard Choa dans la vie haïtienne dans le pays Mexique. Por este servicio que se va a llevar a cabo este día, Señor, todos en tu nombre, todos para servirte, glorificarte, Señor. Te damos gracias, Señor, porque tú limpias los aires de este lugar, tú limpias los corazones, Señor, y te damos gracias por esa limpieza, Señor, que tú haces en cada familia a lo largo y ancho de la tierra, Señor. Tú limpias el corazón de cada familia, Señor, cada miembro de cada familia, ya que cada miembro de cada familia, Señor, servimos. Padre, somos tus hijos, tu amado, tu remanente fiel, y declaramos, Señor, esa limpieza espiritual en nuestras vidas, Señor, limpiando la atmósfera, toda atmósfera que no proviene de la casa del Padre, Señor, es quitada, limpiada alrededor del planeta Tierra, donde está cada familia que componemos el cuerpo de Cristo, Señor. Ahí tú estás, Señor, como Padre, como ese Padre, Señor, quitando lo que estorba en nuestros corazones, en nuestra vida, Señor. Padre, Señor, el barro que es la carne, Señor, ya que tú eres ese alfarero, ponemos a los pies de Cristo, Señor, todo lo que no te alaba, no te glorifica, del cuerpo de Cristo, al orar que ancho de la tierra, de cada familia, Padre, que Bonjour et bonsoir. Et à toutes amis et téléspectateurs et toutes fanatiques et Léonard Choa qui suivent l'interview ça. Bon, c'est toujours un plaisir. Et d'ailleurs, ce n'est pas la première fois que nous sommes. Et je pense que nous avons une vidéo qui est très virale déjà sur Léonard Choa. Et c'est toujours un plaisir pour nous parler avec Léonard Choa. Eh bien, Léonard, normalement, et l'église, c'est l'église évangélique chrétienne du Mexique, qui c'est l'église partie haïtienne, et Iglesia de Cristo Siquem, qui c'est l'église frère axenio mexicain. Mais c'est moi-même qui suis pasteur principal de l'église, tout de l'église. C'est à la fois pasteur de l'Iglesia de Cristo Siquem et pasteur église évangélique chrétienne du Mexique. Messieurs les hermanos, buenos días. Et siempre es un gozo poder estar en este espacio, en esta localidad, para juntos poder compartir la santa palabra, el alimento que da vida, hermanos. Nuestro tema hoy es descubre los planes de Dios para tu vida. Descubre los planes de Dios para tu vida. Amén. Vamos en Jeremías. Busquen conmigo Jeremías, capítulo 29, el versículo 11. Tú eres la luz que service utilisé. Normalement, nous gagnons deux horaires. Gagnons un service mexicain qui fait le matin et à partir de 10h à midi, et service haïtien qui fait de 2h à 3h30 dans l'après-midi. Mais chaque dernier dimanche, nous gagnons un service commun qui c'est haïtien mexicain qui fait à 10h le matin. Et d'accord, adresse là pour si vous voulez visiter l'église là. Et adresse là, nous sommes à Guadalupe et Proletaria. Et nous sommes à la station métro qui est plus près, c'est Tres Anegas, qui c'est direction Tenayuca et Buenavista, ou bien Tenayuca et Valderas.
c'est référence qui puis pourrait pour arriver dans l'église. On numéro de téléphone pour ces monde parce que plusieurs monde qui contacter qui dit que d'un mec qui contacte ou puis on connaît qui côté l'église exactement. Ah, numéro de téléphone moi c'est 55 34 74 84 16. Et la repasse, merci, c'est toujours un plaisir pour nous sur la plateforme. Merci.